L'église chrétienne de Tampa présente. Les mourir, les ressusciter, les monter dans le ciel, la retourner. He came, he died, he was, he ascended into heaven, he is coming back. Quand nous battons, bravo pour bon Dieu. C'est frère Maurice qui a bien pour partager avec vous aujourd'hui un message de la parole de Dieu. M'a demandé de vous passer qu'on y a et pour qu'on a. On dit alléluia. Alléluia. Gloire. 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 Yes. Bon Dieu mérite lui. Parce que chaque fois nous que nous gagnons une possibilité pour nous dans le temple, dans le pied, pour nous adorer lui, donc nous devons lui gloire, honneur, le même seul et digne, mérité, même gens que nous avons adoré matin, nous avons chanté Hosanna, les gens ne pas comprendre l'amour que bon Dieu gagne pour nous-mêmes. Donc effectivement, ils ne connaissent pas, pas comprendre ça. Donc son amour éternel ou l'amour qui s'en fait. Juste avant que nous entrions dans le message là, si je suis capable de prêcher, je vais vous question après. Qui est-ce qui veut répondre à la question? Je vais vous poser une question. C'est Jeanne qui répondre, excepté Dieu. Parce que la réponse à Dieu doit dans le message. Là. Et Dieu qui a tapé le message dans le bataille, mais qui lui répond. Donc, en tant que petit bon Dieu, combien de natures nous avons? Non, je blessé les jeunes, je ne parle pas de grands. Mais les jeunes, les jeunes. En tant que petit, mon Dieu, combien de natures nous avons? Oui, c'est ça. Parlez, parlez. Ok, nous avons deux. Ok. Et petit, Satan, combien de natures nous avons? En allez, en allez, en allez. Yeah. Hmm? Si nous venons à étudier, ça n'est pas pour nous faire professeur à honte parce que tout le temps professeur a bizarre dans l'étude. One, ou gagne 10 dollars. Ou gagne 10 dollars. Petite bon Dieu, gagne combien de nature? Deux. Petite diable, combien de gagne? Un seul. Donc, nous avons entré dans le message là matin et c'est ça pour aller mettre. Mais ça est là pour nous. Donc, si vous avez un problème, maintenant, on a commencé. Nous parlons d'un passage que nous tous nous connaissons. Un passage que nous tous, l'homme dit nous tous là, nous tous net connaissons. 2 Corinthiens 5, verset 17. Qui ça le dit? Ok. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous parlons tous connaître vraiment? Amen. Donc, si je nous matin, c'est the old and the new nature. L'ancienne et la nouvelle nature. Ancien avec nouveau nature. Nouvelle nature. C'est dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, j'avais dit, nous sommes anciennes, bah oui. Nous sommes une nouvelle, mais nous sommes anciennes. Ça fait nous sentir que nous, toutes là, qui sommes petites, bon Dieu, nous gagnons deux natures. Et petite Satan gagne combien? On gagne. Nous gagnons deux, nous gagnons un gagne. Il y a un groupe religieux qui était plus farouche, et qui était plus radical dans le temps de Jésus, c'était les pharisiens. Ils étaient opposés à Jésus-Christ dans toute bagaille. Les pharisiens étaient très farouches, ils étaient très en opposition avec Jésus-Christ. Mais Nicodème, qui était un homme sanédrin, monsieur tout c'était un pharisien.
là aller dans nuit pour la louer Jésus pas crainte pour collègue lio il pas dans la journée là dans nuit. Alors ça nous le Sanhédrin comme dans des jodi en cour suprême des États-Unis pas repasser yep c'était siégé parmi messieurs ça. Il pas venu la journée pour louer Jésus-Christ l'aller dans nuit parce qu'il était crainte collègue lio. Il est là allé qui ça dit Jésus. Rabbi, maître, nous connaissons son docteur qui vient dans bon Dieu. Parce que bagage ça que on fait là miracle ça yo pas grand qu'un monde qui capable faire yo s'il pas sorti dans bon Dieu. Et Jésus-Christ t'a pral répondre pour le délit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Sous pas fait de nouveau, sous pas une nouvelle créature, une autre nature, ou pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, maintenant, Nicodème dit-lui, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, Mabdo, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, ça qui cherche, c'est cher. La chair n'a pas gagné de bon dans lui. Ça qui cherche, c'est cher. Mais mon qui naît de nouveau, qui a l'esprit de Dieu dans lui-même, laisse ça ou son bagage. Dis pas étonnant, il faut faire de nouveau. Donc, maintenant, moi avec vous, si nous pas fait de nouveau, nous ne pas entrer dans le monde. Dans le message maintenant, nous allons aller voir comment que ancienne et nouvelle nature caractérisent dans la vie. Qui ça le fait dans la vie, nous? Qui caractère dans la vie. Nous? Chacun de nous chaque qui là maintenant, un jour comme je dis, nous t'es né, nous t'es prenons naissance dans une fille. Une fille t'es poussé nous mettre à terre. Et là, en fait, je dis que bon, tout le monde s'est fait. Il fait prendre naissance. Et nous tous prenons naissance même. Là. Mais au point qui ça, David dit? David dit, dès notre naissance, nous sommes pervertis. Le jour que vous poussez nous mettre à terre, nous sommes déjà pervertis. Nous sommes déjà contaminés. Nous sommes déjà un péché qui entre dans nous-mêmes. Et ceci, c'est toute la race humaine. Il ne dépend de ni couleur, ni pas couleur, ni figue, ni pas figue. De pour prendre naissance, n'est une fille. Ou sont un monde qui perverti. Et c'est tellement vrai, nous sommes capables de faire des gens. Tu m'y as tout petit, mesdames. Moment de côté, tu m'en allé pour le prendre, pour le mettre dame comme ça. Il connaît tout artiste pour faire, pour aller au besoin pour un bagage. Parce que il a utilisé dans papa, il a mis dame Adam. Il a fait avec elle. Il a parlé à prendre, il a fait avec lui, il n'a pas même. Tu m'en connais pour le prendre bagage, pour le cacher pour mon bagage. Il fout elle dans l'estomac. Il met, pas vrai, Dieu m'a dit. Il prend bala et il cache. L'homme est sorti, il n'est pas cadeau. Mais côté de mon allée, il connaît pour faire ça. Ou pas montrer lui ça. Mais l'apprendre. C'est ça David dit non. Dans Somme 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est ça David dit non. Né dans l'iniquité et maman m'a fait moi dans le péché.
Donc, bagay ça, li contaminé toute la race humaine. Nous tous nous contaminés. Nous tous nous perdus. Nous tous nous pas gagné relation avec bon Dieu. The old one, you are not responsible for because someone decide to give birth to you. Pour ancienne nature là, ou pas gain aucune responsabilité pour ça. Parce que et pas mon qui te voulait faire là, mais gon monde qui décide, maman papa ou concevoir bon Dieu et puis il pousser nous là. Nous pas responsable pour nouvelle là pour ancienne nature là. Parce que nous faites la donner et c'est comme ça que nous non. On dit que you can't choose your country. Nous pas qu'à choisir dans quel pays pour me faire. Et quand on est dans le pays côté bon Dieu mais là, c'est là qu'elle développe pour te faire. Et on doit dire merci pour ça. Et mon gars dit que puis tu me fait dans tel autre pays. Non, sous tes pour te faire dans tel autre pays ou tu as fait dans l'autre pays. Quand on est bon Dieu décidé pour vivre pour faire là, c'est là et il gon plan pour même pour ça. C'est pas toi même qui t'es choisi qui sexe que tu veux. Ou fait yo douke ou son petit garçon. L'autre la fait ils sont petit fille. Mais que je vous dis, non, que vous ne pouvez pas rester dans la place côté que bon Dieu mette. Et c'est pigou abomination qui gagne. Pigou abomination qui gagne. Lorsque vous avez battu pour changer ça que bon Dieu lui-même a décidé à l'avance. Parce que nous, pour venir sur la terre, il y a 3 millions de personnes qui ont gommé pour venir sur la terre. Et puis bon Dieu décide, c'est vous-même qui fait et vous faites. Vous pensez que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Bon Dieu a un plan bien déterminé pour même qu'il a sur terre. Donc, vous n'avez pas qu'à changer. Vous n'avez pas choisi tout, ni frère ni soeur. Vous n'avez pas dit c'est un tel qui pousse, c'est un tel pour lui. Vous n'avez pas qu'à choisir. Mais quittez-moi. You just accept everything as is. Vous n'avez pas le choix. Vous acceptez comme ça. Et quittez-moi matin. Remercie-vous, remercie frère. Remets maman, remets papa, parce que c'est bon Dieu qui bat vous. Vous devez apprécier vous comme cadeau dans la vie. Tandis que vous avez des parents, vous avez des frères qui parlent de vous, vous avez des frères qui parlent de vous. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous avez des gens, bon Dieu, mettez dans la vie pour un bien spécial. Vous devez apprécier vous parce que c'est un cadeau que bon Dieu bat vous. Cependant, il faut des noms. You must decide if yes or no you want to be born again. Pour nouvelle nature là, faut que c'est vous-même qui décidez. Personne ne peut faire pour vous-même. Ou même, vous devez décider si vous voulez naître de nouveau. Donc, vous pouvez dire, mais qui est-ce que ça fait? Quittez-nous. Regardez clairement Jésus-Christ à Nicodème. En vérité, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Si que vous pas fait de nouveau, mais oublié le royaume de Dieu. Et quittez-moi le matin, fait de nouveau, pas veut dire que ma un micro dans la bouche, mais ma prêche. Ça pas fait mener de nouveau. Venez diriger, pas fait mener de nouveau. Passez à venir enseigner la parole de Dieu, fait étude, pas fait mener de nouveau. Et ça pas bénir Satan. Ça pas stimuler Satan pour dire non non. Vous mettez fait tout ce que vous avez fait. Si que vous pas changer, vous pas fait de nouveau, eh bien vous pas dans le royaume mondial. Et Satan pas occupé en quel monde. Là où vous prend bibou, ou parler loi que c'est vent à voir, mais Satan pas même occupé même parce qu'il connaît pas le croyer. Donc maintenant, il est important pour qu'on ait que si vous pas fait de nouveau ou pape entrer dans le royaume mon Dieu. Le répondre positivement à l'invitation que bon Dieu fait, laisse ça ouvrir une petite lit et pour une famille bon Dieu. Et quittez-moi nous matin, quel que soit femme ou te fait dans ancienne nature là, l'ouvre une fête dans famille bon Dieu, laisse ça une famille solide. Ou qu'on famille solide, ou qu'on famille, ou pas bien me séparer de lui. Parce que famille ça, il est bien construit, il construit sous petit bon Dieu.
Jésus-Christ est le nom, nous sommes co-héritiers avec lui. Ça veut dire que nous sommes capables de partager l'héritage que papa a pour lui-même. Nous sommes héritiers même avec lui. Donc, matin, ou Dieu va dire gloire pour ça. Lorsqu'on est que vous êtes héritier, petit bon Dieu, seul petit bon Dieu, moi-même avec vous, nous sommes héritiers le matin. Donc, quel privilège que bon Dieu fait à nous-mêmes lorsque nous chita là et qu'il n'a pas adoré lui, lorsque nous gagnons espoir, nous avons espérance, il y a un royaume éternel qui a préparé pour tant de nos bien-aimés. Donc, qu'on y a, nous disons déjà, qui est possible? Eh bien, l'accepter à tout cœur l'invitation que Jésus-Christ fait pour l'occuper première place dans vous. Ou baptiser et pour commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Gampé le monde qui vient de l'église, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, yo pa yon baptisé, yo pa yon fè premier pas pour venir entrer dans la famille, bon Dieu. Donc, quitte m'dou matin, ce n'est pas simplement venir chita, mais on besoin faire premier pas. Invitation Jésus fait pour venir là, ou venir au chita, mais la mando matin pour faire ce deuxième pas. Deuxième pas, c'est plonger dans les eaux du baptême. Lorsque plonger dans les eaux du baptême, ou accepter Jésus-Christ, ou dire que vous mourrez avec lui, ou réciter de nos nouvelles vies pour mener la vie ensemble avec lui pendant le reste de vous sous terre. Et c'est ça que bon Dieu attend de moi et l'attend de vous. Et en pile de nous qui l'a matin, nous avons fait ça. Et qu'on est là, nous venons faire un seul avec bon Dieu, nous continuer à marcher avec lui. Donc, matin, bien-aimé. Donc, quand il y a une question pour nous poser tête, non. Puisque petit bon Dieu, il y a deux natures dans eux-mêmes, je me pose la question ça. Which one develops the most? Et je réponds, the one you feed the most. Donc, il y a deux natures dans nous-mêmes. Donc, qui est-ce qui a développé plus? Soubaï plus manger. Soubaï lâcher plus manger, c'est lâcher qui a développé. Et soubaï l'esprit a plus manger, c'est l'esprit qui a développé plus. Donc, quand il y a besoin, posez cette question. Mais qui j'aime pral feed yo, qui j'aime pral nourrir yo, pour que me permette que l'esprit bon Dieu y développe plus dans la vie moi. Parce que yo tout de là et yo tout de vle développer. Gon bataille entre yo de là. Et kounye a, qui est-ce qui a développé plus? On dit que c'est ça que yo baye plus manger. Ça qu'on nourrit plus là. Baye petit que yo baye plus manger, c'est lui qui a développé plus dans la vie. Et pas de mentir là-dedans. Mon obé plus de vitamines. Mon obé prend plus soin. Donc c'est les mêmes qui ont développé plus. Donc nous disons que l'apôtre Pierre était échoué parce que Pierre avait confiance dans la tête. Malgré tout investissement que Jésus-Christ a fait, Pierre avait confiance dans la tête. Il pensait qu'il était capable. Mais Pierre est tombé. Mais l'apôtre Paul dit lui-même. Paul dit, I have no confidence in my flesh. Paul dit pas confiance dans la chair parce qu'il connaît que la chair pas grand rien qui bon la donner. Donc matin qui te m'do are you born again? Ou né de nouveau? Donc kounye a m'dit que gon bataille dans mitan yo de et qui est-ce qui a remporté victoire? M'dit que sou ba yon plus manger, sou ba nouvelle naissance là plus manger, nouvelle nature là. La remporter la victoire. Mais qui vient pour me faire de vine l'église? Vine l'église? On a dit son premier pas. Ou dans l'étude? Ou dans la prière? Ou dans... ou pas dans la prière, ou pas dans l'étude, ou pas lire la Bible, ou pas fidèle, ou pas fidèle, ou pas dans réunion de prière, ou pas dans rien. C'est le seul moyen que pour fidèle, oui, pour nourrir nouvelle nature là. Ou lire la Bible, ou lire la parole de bon Dieu. Passez le temps ou appelez la parole de Dieu. Ou prenez le temps pour chita pour apprendre la parole de Dieu. Ou venez dans l'étude pour poser des questions, pour connaître qui est bon Dieu veut et qui est bon Dieu pas veut. Ou dans l'école dominicale, ou poser des questions. Ou l'église, ou attendez mes messages de parole de bon Dieu. Laissez-vous fidèle
l'esprit. Et laisse ça la remporter la victoire sous ancienne. Mais si vous ne faites pas ça, vous continuez à être là, et bien c'est ancienne nature qui a remporté la victoire. Et vous pouvez, pour n'importe qui critique, bien vous envie éclater parce que lui-même, il tout voulu pour le faire paraître. Monsieur le grand professeur, te dit ça. Alors, laissez-nous noter dans le lycée. Excusez-moi pour phrase que je vais dire. Et bon, mauvais phrase, mais nous-mêmes, nous avons des gens très sensibles. Tu conseilles des demoiselles dans l'école, dans le lycée. Tout le monde sait, c'était des zizi. N'importe qui bagaille. Monsieur le professeur, ça, il dit, hey, il dit, mesdames, hey, en tout homme, il y a un cochon qui s'endort. Il faut faire, il y a un cochon qui sommeille. Il faut faire endormir ce cochon quand il se réveille. Quittez-nous, ancienne nature là, il est en nous. Il propose l'abdormi. Mais pour critiquer, ça l'a fait. L'a plevé. Donc pour ne pas lever, il faut nourrir ancienne nature là. De vous pas nourrir, l'a plevé. Faut dire ça. Faut une nouvelle nature là. Nous, il sans pas ça, anciennement, il a la plévé. Et elle paraît flèche, il fait un pile de dégâts. Il fait des dégâts que vous ne pouvez pas espérer que vous avez même. Il y a qu'il fait dans la rue. L'offre nous à l'Oshita ou on pourrait que c'est vous-même qui te fait par ça. Ce n'est pas fort parce que anciennement, il y a là. Même si vous parlez, il y a là. C'est une occasion à veiller pour le paraître tête. Donc, matin, bien aimé, nous besoin vraiment nourrir nouvelles. Nature que bon Dieu mettait dans nous-mêmes. Donc, il nous dit que quand quelqu'un est né de nouveau, il pratique Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est un bail pour chercher la paix. Donc, ou pas là, ou pas un agent de guerre encore. Parce que nouvelle, ancienne nature là, c'est la guerre qu'elle voulait. C'est la guerre qu'elle veut, c'est la discorde qu'elle veut, c'est la désunion qu'elle veut. Mais nouvelle nature là, il non, faut me chercher la paix avec tout le monde. Faut me chercher la sanctification. Faut me chercher la purification. Parce que les sans bagages, nous n'avons pas pour le royaume, mon Dieu. Personne ne verra le Seigneur. Quittez nos matins, mais avec vous, nous voulons voir le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas faire ça pour nous faire, pour nous voir le Seigneur. C'est comme si on était à l'école, livré pour le passé. Mais nous ne pouvons pas étudier. Ou pas passer, bien aimé. Donc, à la fin, on peut le crier. Moun ti moun kap crier. Mais ou passer un an, l'école là, pour essayer de travailler, ou à l'école chaque jour, pas en paix, bah, tout bagay. Ou là, on pense à l'école, ou pas en étudier, ou à faire génie, ou à faire demoiselle. Et pour chita, on attend que, à la fin des temps, pour dire qu'il y a un bien passé. Et moun sa tout une seule raison, mettre la voleur prendre. Je ne côté mettre la balle après, mais mettre la balle après. Je vais mettre la balle après. Mais tout volé après. Mais pas me dire dans la tête, je ne pas étudier, ça ne fait pas de passer. C'est mettre qui toujours volé après. Depuis que papa, c'est un monde qui est responsable, mettre la balle après. Mais qui ça mettre la balle faire pour lui voler là? Pour le faire qui ça? Qui te m'a matin, il est important pour dire tout. Dis bon Dieu matin. Si que nouvelle, si que ancienne nature là toujours à propulser dans la vie moi, c'est parce que m'ai pas nourri nouvelle nature là, mais pas parce que m'ai pas connaît. Provision là déjà. Provision là déjà. Bible là pour lire. Étudio là pour venir. Enseignement là pour venir. Réunion prière là pour. Mais sous pas nourri dans mon. Eh bien, et pas faute bon Dieu, il fait toute provision et toute bagaille déjà là. Les anciennes natures les invitent nous pour nous maudire. Mais nouvelle là, ils invitent nous pour nous bénir. Anciennes les invitent nous pour nous haïr, mais nouvelle là, ils invitent nous pour nous aimer. Ils ont une opposition. Anciennes, ils mettent nous pour nous un sentiment d'égoïsme, mais nouvelle là, ils mettent nous même un sentiment de bienfaisant. Anciennement, il m'a dit non pour nous rancunier, mais nouvelle là, il m'a dit non pour nous tolérant. Il m'a dit non pour nous tolérant. En pile fois, nous pas tolérant. Nous rancunier au lieu que nous tolérant.
Bon Dieu matin, il est tolérant envers nous. Pourquoi ça n'est pas capable tolérant envers l'autre? Ce que nous avons nature, bon Dieu dans la vie, non, qui t'aime nous, ou à tolérant envers l'autre monde, ou pas bien rancune encore. Parce que depuis que rancune dans le cœur, m'a dit matin, ou c'est petit Satan. Et nous besoin d'aller dans la racine pour nous couper, pour nous déraciner dans la vie. Parce que les bagages, ils empêchent nous la face de bon Dieu. Ils empêchent nous la bénédiction que bon Dieu a pour nous même matin. Satan qui est nous captif, il ne veut pas nous avancer, il ne veut pas nous jouir la bénédiction de bon Dieu. En pile fois, nous sentons que nous louons. Zèle nous louons. Nous venons à l'église comme si. Bon, comme si je ne suis pas venu à demander, je suis obligé de venir. Parce que je n'ai pas un désir pour venir. Qui est-ce que les gens qui sont sauvés, ils ont un désir pour venir contre papa. Yo. Et ce n'est pas forcé ou forcé, c'est volontairement, ils ont rendu compte que faut que vous venez pour adorer bon Dieu. Parce que vous avez un masque dans la vie. Maintenant, est-ce que c'est forcé ou forcé pour là? Est-ce que vous sentez que vous ennuyez parce qu'on est en présence de bon Dieu? Si vous sentez ennuyé matin parce qu'on est en présence de mon Dieu, vous avez un coup de mon Dieu, dit mon Dieu, qui vient ça faire fête? Parce que tout le monde qui est sauvé, qui a une nouvelle nature, ça n'a pas même. Chaque fois que vous n'êtes pas en présence de mon Dieu, vous sentez son problème. Vous avez un qui vient faire là, je suis je ne pas malade, je me couche à dormir, et puis il n'y a pas adoré mon Dieu. Ça, c'est son problème lié pour vous-même. Mais il y a des gens, même si vous n'êtes pas venu, ça ne va pas dire rien, parce que l'homme qui est venu, m'a venu. Donc, bien aimé matin, donc, qui t'aime d'eau, ou t'as un monde qui t'a baissé seul petit ou pour sauver l'humanité. Et pour t'a, c'est comme ça, ça y est, qui est en absent? Qui est en tapis matin? Pour m'a dit, je me couche la caille, je fais toute la journée, toute nuit, je me régler à faire, je me téléphone tout le temps, et dans dimanche matin, pour comme dimanche, je ne pas lever pour venir adorer mon Dieu. Je me dis que ça me passe au Lord même avec David. Levez-vous dans l'adorer, bon Dieu, maman, parce que c'est lui-même qui guérit toute maladie. Nous devons reconnaître envers bon Dieu matin. Donc, c'est ça, on continue. Il est important pour nous comprendre que croyant, il possède deux natures distinctes. Il y a une nouvelle là, et puis il y a une vieille là. Une, c'est source de bon désir, l'autre là, c'est source de tout mal. Tout ça mal ou qu'a fait, n'a produit qu'a fait dans le monde là, c'est parce que c'est ancienne nature là qu'a agi. Lorsque les hommes levé prennent zami yo, yo braquer le son monde, c'est parce que il a ancienne nature là. Donc le monde qui a une nouvelle nature là, il pas détruire la vie l'autre monde. La respecter la vie parce qu'il connaît que la vie son bagage qui cher, c'est bon Dieu qui bail la vie, donc la protéger la vie parce que la vie pas lever dans bagage. Donc si la vie porte lever dans bagage, on pas détruire la vie par l'autre monde. Bien-aimé, le Seigneur Jésus lui parlait à Nicodème et il lui insistait sur la nécessité d'être né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Il lui ajoutait, ce qui est de chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Dans Jean 3, verset 6. Qui t'aime de matin, ça qui est chair, c'est chair qu'il est. Chair pas gain rien de bon. Cher pas rien qu'elle capable de faire de bien. Mais si là yo qui naît d'esprit, m'a do matin, bon Dieu capable de faire de grandes choses avec vous matin. Li clairement indiqué. Dans Romains 8, verset 8, li confirmé que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Monde qui dans la chair pas capable de faire bon Dieu plaisir. La chair pas capable de faire bon Dieu plaisir parce que lui pas dans volonté bon Dieu. Il en opposition avec la volonté de Dieu. Parce que bon Dieu connaît ça bien parce qu'il connaît que tout le monde qui naît d'Adam il a un véhicule péché dans la vie. Tout le monde qui naît d'Adam, il y a un véhicule péché dans la vie. Donc, péché l'habite, la caillou et la page. Mais qui ça, bon Dieu, fait lui-même? Qui remet bon Dieu poté pour bagaille ça? Mais nous avons une réponse là, dans Romains 8, verset 3. Dans Romains 8,
verset 3. Donc, qui ça, Romains 8, verset 3, dit nous. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il y a des gens qui disent que je ne peux pas remporter victoire sur le péché, mais Jésus-Christ est vivant dans la chair. Il remporte victoire sur le péché. Et bon Dieu, bah non, même victoire ça pour ceux-là qui est en Jésus-Christ. Donc, matin, si on est en Jésus-Christ, on est capable de remporter victoire sur le péché. On est capable de résister contre le péché. Parce que la puissance qui est dans Jésus-Christ, eh bien, bon Dieu, mettez-le dans nous-mêmes matin. Dès le début, la loi était fortement censurée la chair. Mais il ne pouvait ni la freiner, ni la contrôler pour nous délivrer de son pouvoir. Au commencement, depuis le commencement, la loi même t'est censurée la chair. Mais elle pas cap freiner ni elle pas cap contrôler lui pour te délivrer nous des puissances et pouvoir qu'elle gagne. Qui t'aime nous matin, la chair gagne pouvoir. Il gagne pouvoir. Pas minimiser lui, il gagne pouvoir. Il est capable de faire ça que ou pas même imaginer. Il a un pouvoir. Mais quittez-moi de matin. Gloire soit rendue à Dieu. À la croix, Jésus-Christ s'en est occupé judiciairement. Légalement, bon Dieu, fait Jésus-Christ monter la croix. Il paye tout bagaille. Parce qu'il faut que tu aies un juste pour te mourir, pour être capable de sauver nous. Donc, bon Dieu, pas capable de faire quel autre monde sous la tête de ta faire. Mais nous disons grâce à Dieu, Jésus-Christ est qualifié. Il vient légalement. Donc, il paye prière pour moi avec vous matin. Donc, ça fait que moi avec vous matin, nous sommes capables de pécher. Et bien, au nom de Jésus, nous sommes capables de remporter la victoire parce que Jésus-Christ t'a remporté la victoire. Ça. Lorsqu'il t'a condamné, lui, péché dans la chair. C'est-à-dire, il t'a condamné racine et essence, nature, péché. Mais Jésus-Christ condamné lui à la croix. Donc, maintenant, pas la guéco ou by péché, mais appuyé sur le sang de Jésus qui t'a coulé sur la croix et qui bat nos forces, maintenant, nous sommes capables de résister contre le péché, maintenant. Ça fait nous dire, sans Jésus-Christ, gain force, will gain force, il gain force toujours. Donc, maintenant, n'importe qui plonge dans le sang de Jésus-Christ, eh bien, on a une victoire, eh bien, sur le péché. Et dans Romains 8, verset 4, il fournit nous, il bat nos résultats. Pratique ça. Il dit, et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, nous ne marchons pas maintenant selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit de Dieu. Donc, maintenant, nous n'avons pas atterri, nous parlons, nous venons en conclusion, message maintenant. Donc, qui ça nous venons en conclusion, message maintenant? Il dit, nous, l'apôtre Paul dit nous que tous les croyants sont morts en Christ et ne vivent plus pour eux-mêmes. Nous pas vivre pour tête nous matin, mais nous vivre pour Jésus-Christ. Nous pas faire ça nous voulons avec propre tête nous. Nous pas faire ça nous voulons avec ça que et désir nous voulons faire, mais nous faire ça que bon Dieu voulait pour nous faire matin. Donc notre vie n'est pas de ce monde. N'a pas passé dans le monde là, mais vie nous pas dans le monde là. Elle est spirituelle. Notre vieille nature est morte. Elle a été crucifiée avec Christ et enterrée avec lui. Donc il était crucifié et il est enterré avec Christ. Donc maintenant, Dieu n'a pas enlevé l'ancienne nature, mais il a mis en nous une nouvelle nature, entièrement nouvelle. Donc maintenant, bon Dieu, pas retirer l'ancienne nature, mais il mettait dans nous-mêmes une nouvelle nature qui entièrement nouvelle. Donc c'est pour moi, bon Dieu, il a forgé, mais il prend une tout neuf. Il mettait dans nous-mêmes. Donc, pour ce matin, créé à partir de rien, comme l'univers entier a été créé à partir de rien. Seul le Créateur est capable de faire cela. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire notre orgueil, c'est-à-dire notre orgueil naturel, notre amour du péché, notre dépendance des bonnes œuvres et nos anciennes opinions, habitudes et passions. Tout bagage ça yo doit passer dans la vie nous. Donc nous pas gain orgueil naturel encore. Nous pas gain l'amour pour péché. Qui t'aime dou? Péché li dou, c'est résultat qui amè. Le péché est doux. Mais son résultat
est ta mère. Donc, quittez-moi, nous pas gagné désir pour nous faire pécher encore. Nous pas gagné opinion personnelle. Nous pas gagné habitude et passion qui t'a traîné nous autrefois. Nos vieilles œuvres sont mortes et ont été remplacées par de nouvelles œuvres vivantes à la gloire de Dieu. Notre raison d'être, nos sentiments, nos désirs et notre compréhension sont différents. Renouvelés, nous voyons le monde autrement. Les gens ne nous pas qu'à comprendre nous, parce que j'ai des gens qui y a vivent, mais nous-mêmes nous vivons différemment, parce que nous sommes monde là, une autre gens. Les gens qui disent, mais qui ont fait comme ça? Ce n'est pas moi qui fais comme ça, mais c'est la nouvelle nature. C'est ça que bon Dieu planté dans la vie. Non? C'est ça qu'elle planté dans la vie. C'est nourriture qu'on va lire, et mais elle vient changer, elle vient transformer, ou vient pas même mon encore. Les gens qui ont mal, ils comprennent nous. Les femmes qui ont mal, ils voient que sont différents. Et les enfants disent, c'est grâce à Jésus-Christ. Moun sa ou est là, c'est pas moun qui était là hier, mais son l'autre moun parce que bon Dieu met un bagage important dans la vie moi et m'kembel très cher, m'ba le perdre li. Donc en pile fois nous pas comprendre ça que bon Dieu met dans la vie nous pour nous kembel très cher pour ne pas perdre li. Comme Charles Spurgeon lui dit, comme le sel assaisonne chaque goutte d'eau de l'Atlantique, ainsi le péché affecte chaque atome de notre nature. Il est si tristement, si abondamment présent que si vous ne le détectez pas, vous ne pouvez qu'être trompé. Donc c'est ça que vous êtes capable de tromper. Nous chantons des chansons tout le temps, nous disons que Adam te vend moi. Mais Jésus fait ça? Te joint moi. Il joint nous et il paye pour nous-mêmes. Adam te vend nous cash by diable. Mais Jésus-Christ achète nous. Il rachète nous de nouveau. Parce que plaisir pas bon Dieu, c'est pour le sauver nos matins. Plaisir pas bon Dieu, c'est pour le mener nous dans le royaume de Dieu. Mais est-ce que vous voulez aller dans le royaume là? Est-ce que c'est tout que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez faire ça que vous devez faire pour aller dans le royaume là? Je ne peux pas dire matin que aller dans le royaume là est facile. Ou un sacrifice pour faire pour entrer dans le royaume là. Ou une abnégation pour faire dans la rue pour entrer dans le royaume là. Il faut quitter pour entrer dans le royaume là. Il faut quitter. Que longtemps t'es aimé, je ne veux dire c'est pour dégoûter ou pour qu'entrer dans le royaume mondial. Sinon, bien aimé, c'est laver mains, c'est la terre. Quittez nous matin, ou mettre un micro, mettre fait tout, mettre prêcher, passer pipi rite matin. Si là ou pas changé, pas de royaume de Dieu. Pas de matin là, Dani. Mettre prêcher, passer pipi rite, mettre chanter, passer pipi rite. Sans une vie transformée, pas de royaume de Dieu. Donc, nous parler, parce que cette dernière phrase, la nouvelle créature est une créature merveilleuse, formée par la pensée de Dieu, créée par sa puissance et pour sa gloire. Donc, nouvelle créature, l'objet de nos nouvelles créatures sont créatures merveilleuses. Les gens qui t'ont pour longtemps, vous ne vous dites, allez, vous l'avez dit. Il y a des gens qui ont été changés. Il n'y a pas de Saint-Tel, et pas de Frère-Tel. Mais oui, depuis qu'elle a accepté Jésus, la ville a changé, oui. Ou pas l'autre monde, ou pas les gens qui ont l'habitude, le comportement a changé, la manière de vivre a changé, parce qu'ils sont une créature merveilleuse. Ils sont formés par la pensée de Dieu. C'est dans la pensée bon Dieu qu'ils sont sortis. Et puis ils créé par sa puissance et pour sa gloire. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que grâce mon Dieu avec vous.